Salut à tous, c'est Morgane, j'espère que vous allez bien. Je suis super contente de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur Les Sims 4. Et vous l'aurez vu au titre et à la miniature, il va s'agir du premier épisode de mon challenge que je viens d'inventer qui s'appelle du coup Desperate Husband. Le Desperate Husband, qu'est-ce que c'est? J'en ai fait un trailer, j'ai également expliqué les règles et je vous mettrai du coup tout ça là-haut dans le petit i. Mais donc aujourd'hui, on va tout simplement débuter tout ça, voilà. On va jouer tout tranquillement avec notre personnage principal, on va commencer à essayer de réaliser un petit peu toutes les règles, etc. Et écoutez, ce que je vous propose, c'est qu'on se retrouve tout de suite en jeu. Nous voici donc en jeu avec la jolie Avada. Avada que je vous ai du coup présentée lors des deux vidéos que je vous ai mis dans le petit i. La voici devant chez elle, il est actuellement... il n'y a pas d'heure. Au secours, qu'est-ce qui se passe? Ah voilà, si j'appuie sur play, il y a l'heure qui est revenue. Voilà, il est actuellement 21h13. Et du coup, voici la petite maison d'Avada. Et voici le petit quartier dans lequel on va se trouver. On va se trouver à Willow Creek. Et toutes les maisons que vous voyez, elles ont été faites par Belle Peinte. Voilà, je les ai tout simplement juste redécorées à mon goût. Installer les gens que je voulais installer à l'intérieur. Mais sinon, elles ont toutes été faites par Belle Peinte, y compris la maison d'Avada. Maison que nous allons visiter si vous, vous décidez de faire le challenge de votre côté. Même si vous décidez pas de le faire, sachez qu'il y a quand même quelques petites règles. Du coup, la maison à l'intérieur, elle ne contient rien du tout. Voilà, la maison, elle est magnifique, elle est extraordinaire. Et j'ai juste oublié le petit sac à Anka. Oulala, ça fait partie des trois objets obligatoires. Je vais tout de suite aller le chercher. Voici voilà du coup le petit sac à Anka que j'avais oublié. Pour ce challenge, vous allez devoir débuter avec une maison qui est une starter house qui vaut du coup moins de 20 000 simflouz. Et à l'intérieur, vous aurez le droit de posséder que ces trois objets pour commencer. Donc le petit lit que voici, les toilettes et le petit sac à Anka. Les trois objets viennent avec le jeu de base. Donc voilà, après la maison, c'est une starter, mais vous mettez ce que vous voulez comme pack. Du moment que les objets qui sont dedans, bah, c'est des objets de jeu de base. Au moins, tout le monde peut participer. Du coup, voilà, elle a... même pas de lumière à l'intérieur, donc voilà, ça ressemble à ça pour l'instant, il n'y a rien du tout. Elle a des simflouz en poche, mais ça, ce n'est pas autorisé. Donc pour enlever, on va ouvrir la barre de triche, on va taper money et on va taper 0. Voilà, comme ça, le revenu à 0 simflouz, puisque pour commencer le challenge, il faut bien évidemment 0 simflouz. Donc je vais appuyer sur play, et du coup, ce que je vais commencer à faire, c'est chercher un petit peu dans les environs s'il n'y a pas des choses à creuser, etc. Normalement, il devrait y en avoir. On pourrait également lui faire faire un peu de pêche, donc vas-y, va pêcher. Et du coup, bah, sachez que j'ai beaucoup trop hâte de faire cette petite partie, de faire évoluer Avada et sa maison. Oh, c'est vrai qu'il y a cet arbre-là, il est trop beau. Oh, je crois qu'il faut un level en bricolage ou je sais plus. Ouais, bon, on va pas l'inspecter tout de suite. Nous, ce qu'on veut, c'est farfouiller un peu tout ce qu'il y a. Là, apparemment, il y a quelque chose. On pourrait venir creuser une fois qu'elle aura pêché. Donc, pour commencer, elle va pas pouvoir travailler. Il va falloir vraiment qu'elle se débrouille par les moyens du bord en essayant de chercher des petites choses à creuser, etc. Et il va falloir aussi qu'elle ait une plante vache avant d'atteindre le niveau 2 de n'importe quelle compétence. Oh, c'est vrai qu'on peut venir ici. Oh, on peut déraciner la plante? Non, moi, je voulais récolter. On peut pas récolter. Apparemment on ne peut pas. Bon bah écoutez, on va pas récolter du coup. Là par contre on va pouvoir venir chercher des grenouilles. Donc faudra bien que je fasse attention à ce qu'elle n'atteigne pas le niveau 2 de n'importe quelle compétence avant d'avoir eu une bête plante vache. On ira dès demain, dès que le soleil se lève pour pouvoir aller à Oasis Springs. Je pense qu'on peut en essayant de pêcher. Alors la pêche par contre c'est la seule compétence qu'on peut augmenter plus que 2 si on n'a pas encore la baie de plante vache. Puisque c'est en pêchant qu'on va pouvoir trouver une baie de plante vache d'ailleurs. Du coup on dirait qu'elle s'est arrêtée de pêcher. Ok, je sais même plus ce que j'étais en train de dire. Enfin bref, en tout cas sachez qu'elle va avoir une aspiration à réaliser tout au long du challenge. C'est incroyablement riche. Donc pour l'instant, bah, bien évidemment, elle n'a pas un sou en poche. Donc oh, elle a trouvé deux pièces d'amélioration commune, c'est bien. Mais t'es pas allé chercher les grenouilles? Elles sont où déjà les grenouilles? Ah oui, voilà, c'est là-bas. Je dis pas qu'elles ont disparu, non, c'est bon. Va chercher des grenouilles. Et du coup, ouais, elle va avoir son aspiration et elle va avoir également trois traits de caractère obligatoires. Du coup, ça va être matérialiste, kleptomane et égocentrique. Elle est douée en affaires, ok, je sais pas pourquoi. Peut-être grâce à son aspiration, je ne sais pas. Enfin bref, voilà, ce sont les traits qui sont obligatoires. Quoi vous dire d'autre? Ben voilà, il va falloir réaliser l'aspiration. Il va bien évidemment falloir se marier et avoir divorcé 10 fois. Je peux juste le contempler et le déraciner, c'est chiant. Peut-être que c'est pas prêt.
Et voilà, après, elle aura gagné le challenge. Une fois qu'elle aura réussi tous les petits objectifs, il va y avoir plein d'objectifs qu'on verra au fur et à mesure. Il n'y a rien d'autre à creuser ou à voir dans ce quartier. Je pensais avoir plus de choses que ça. Ah, voilà, ici, il y a un petit quelque chose. On va pouvoir creuser. Oh, elle est mal à l'aise parce qu'elle a froid. Elle a trouvé une grenouille-feuille. Tu es un petit peu fatiguée, mais ça devrait aller. Je vais te faire changer de tenue si tu as froid, d'accord? Une fois que tu auras creusé, parce que là, tu es partie. Tenue, changer de tenue. On va lui faire aller mettre sa petite tenue temps froid. Je ne veux pas vous faire une revue de ses tenues, puisque j'ai déjà fait dans la présentation du challenge. Donc voilà, si vous voulez aller voir la vidéo, encore une fois, bah, elles sont dans le petit, dans la description. Oh, mais il y avait une grenouille juste là et je l'ai pas farfouillée, n'importe quoi. Ah, mais là aussi, il y a un truc à creuser. Mais c'est génial, attendez, il y a tellement de choses en fait. Là aussi, il y a encore quelque chose. Ça doit être. Ah non, c'est des champignons, on peut pas encore. Bah après, on va retourner à la pêche. Ou alors, on va directement à Oasis Springs, essayer de chercher la plante vache, je sais pas. On va quand même essayer de pêcher, hein, voilà. Tant qu'elle est pas trop fatiguée, on se reposera et on ira une fois qu'elle sera reposée, ouais, à Oasis Springs. Parce que oui, il y a un petit étang à Oasis Springs. Je sais pas exactement dans quel quartier il est, ni comment il s'appelle. Mais il y a un petit étang où on peut pêcher la plante vache. Donc voilà, c'est là-bas qu'on va aller dès demain. C'est un de mes objectifs principaux, de toute façon, c'est d'avoir la plante vache. Au moins, elle est posée, elle est plantée. Et après, on peut augmenter toutes les compétences. Enfin, même si pour l'instant, on n'a pas un sou en poche. Je vais attendre qu'elle ait fini tout ça. Et une fois qu'elle sera repartie pêcher, on va regarder un peu tout ce qu'elle a récolté, essayer de vendre, voir si on peut se faire quelques petits sous-sous. Oui, je sais que tu es mal à l'aise car tu es fatiguée, ma petite. Je suis désolée. Alors, pas mal de choses. Déjà, un poisson rouge. Ok. Bah, on le vend. Une hématite 72. Ça, c'est pas mal. Une pièce d'amélioration commune. On en a chopé deux. Ça fait 20 simflouzes. Et une carte au trésor placée dans le monde. Est-ce que ça vaut quelque chose? Mettez-le dans l'inventaire de votre sim avant de commencer à creuser. Attendez. Je sais pas du tout si ça vaut quelque chose. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous savez, mais pour l'instant, je vais la garder. Par contre, ce qu'on va pouvoir faire, c'est bah, faire reproduire les grenouilles. On va faire se reproduire avec grenouille-feuille. Et ça nous a fait une grenouille aubergine. On en avait déjà une, non? Ah non, on l'avait pas, celle-là, Malvou. 10 simflouzes, rareté commune, insolite et commune. Bah écoutez, on va vendre la aubergine, voilà, hein, voilà. Et le reste, bah, on va le garder. On a 109 simflou, c'est pas mal du tout, dis donc. On va la continuer à la faire pêcher. Enfin non, on va s'arrêter, hein. Elle commence à être fatiguée. Oh non, elle aime pas la pêche. Oh. Bon, bah ok, si tu veux, t'aimes pas la pêche. Bon, on va dire que je vais dire oui à chaque fois qu'elle demande quelque chose, au moins ça c'est fait. Tu vas aller dormir puisque tu es très fatiguée. Quelle horreur, elle va devoir tellement pêcher et ne pas aimer ça. Oh, ça va être horrible pour elle. Du coup, ouais, elle va aller faire un petit dodo et on se retrouvera quand elle sera en meilleure forme bah, pour partir direction Oasis Springs. Allez, il est 6h, je vais la faire se lever, elle va faire pipi, elle va également manger puisqu'elle a faim. Et ensuite, on pourra partir à Oasis Springs, sachant que... Est-ce qu'on peut le mettre dans l'inventaire ce truc? Oui, je pense qu'on peut le mettre dans l'inventaire, fais voir. Oui, mettre dans l'inventaire. Sachant qu'on va pouvoir partir que une fois par semaine à Oasis Springs donc, par tranche de 24 heures. Donc... Il va falloir trouver ce qu'on a besoin de trouver, absolument. Et j'espère qu'elle va le trouver parce que sinon on est grave dans le caca. Est-ce que par contre tu pourrais t'habiller au lieu de rester en sous-vêtements? Parce que bon, c'est pour faire dodo les sous-vêtements. Tenue, changer de tenue, tenue quotidienne. Bon, elle s'habillera après avoir mangé. Ça va pas remonter de ouf, ça normalement. Ah si, ça va. Oh, ça va en fait. Ok, elle va faire ça. Elle va pas manger une seconde fois alors. Mais après, elle pourra mettre ça dans l'inventaire et on va se déplacer. Oh, mais elle s'est changée en mangeant, mais est-ce que c'est déjà arrivé ça? J'ai jamais vu ça. Besoin. Ah bah voilà, la faim c'est bon. Bon, l'énergie c'est pas ouf, mais elle met ça dans son inventaire. Et du coup, on va se déplacer jusqu'à Oasis Springs. Une fois que je serai arrivée là-bas, je compterai 24 heures. Comme ça, c'est sûr que je vais pas dépasser quoi. Ok, il est 6h51, donc je ne pars pas de là avant mardi 6h51, tant qu'elle n'a pas trouvé la plante vache. Je me suis mis du coup au parc de Oasis Springs, parce que je sais que c'est pas loin qu'on pêche, je crois que c'est par là. Oh, si je dis pas de bêtises, à moins que je dise n'importe quoi, il est où le plan de pêche? Alors là, je sais qu'il y a la grotte bizarre. Je crois que je me suis totalement plantée, attendez. En plus, ça va compter dans les heures si je me suis trompée. Tant pis pour moi, il va falloir que je trouve l'endroit où on me pêche. Oh, mais c'est pas ici en fait. Mais attendez, mais comment j'ai pu me tromper à ce point? Il n'y a pas un point d'eau là? Non. Si, il est là! Oh, mais.
Il a séché ou c'est moi? Non, il n'est pas séché, c'est juste qu'il est tout petit petit. Oh, ouf, j'ai eu peur. On a jusqu'à mercredi 6h51 pour trouver une baie de plantes vaches. Et si on l'a pas trouvée, bah, on reviendra la semaine prochaine. Et en attendant, bah voilà, on va se débrouiller avec ce qu'on a. Hein. J'espère que les plantes, elles auront poussé d'ici là. Est-ce que tu peux te dépêcher ou pas, elle est ouf? Ah, bah c'est un peu loin en fait. Excuse-moi, madame, c'est ma faute. En tout cas, on a des petits endroits. Ah, mais là aussi, on peut pêcher en fait. Ah, oh, on pourrait essayer de pêcher là aussi. Cool. J'allais dire, on a des petits endroits où se poser, mais il n'y a pas de banc où dormir. Ah, si. Il y a des bancs où dormir au cas où. Ici, il y a de quoi faire pipi. Il y a même de quoi chercher des grenouilles, de quoi creuser. Oh, il y a moyen de trouver quelques petites choses, n'empêche, ici. Donc, ça pourrait être cool. Et ce que j'aimerais. Oui, je sais que t'es tendue parce que t'aimes pas la pêche. Je suis désolée. Et du coup, ce que j'aimerais, c'est absolument que tu trouves une baie de plantes vaches. Il y a apparemment des gens vers là-bas. Bonjour, ne venez pas me voir, s'il vous plaît. Mais vous êtes à l'intérieur d'un caillou? Je ne comprends pas, vous n'avez pas vu les bulles, vous aussi? C'était vraiment étrange ce qui vient de se passer. Faut que j'essaye de négliger aucun endroit. Ça, ici, c'est quoi ça? Attendez, contempler. Non, je peux juste contempler. Je veux pas contempler, moi, je veux des plantes. Je veux les planter chez moi, c'est pas possible ça. Ici, il y a encore un truc à creuser. C'est vrai que j'avais pas pensé qu'on était au parc et que du coup, ben, il y allait avoir plein d'infrastructures. Purée, mais il y a vraiment plein de choses à creuser ici en fait. Oh, si vous voulez commencer un défi comme celui-ci, faut venir ou à Oasis Springs ou à. Qu'est-ce que je dis moi? À Willow Creek. Oh non, elle a attrapé un poisson, mais juste avant, il y avait écrit qu'ils étaient trop malins pour elle. Oh, elle a attrapé une rose, mais c'est bien ça! Au moins, si on peut pas récolter de plantes, on a quand même une plante à planter quand on rentrera. C'est cool! Il y a encore un truc à creuser. Ça va lui faire trop d'action. Au bout d'un moment, elle va pas pouvoir tout assumer. Elle commence à avoir, être en mal de divertissement. Je suis désolée, c'est du divertissement ça? Ouais. Et vu qu'elle fait de la pêche et qu'elle déteste ça, bah ça va pas aller en s'arrangeant. Je suis désolée. Bah, au pire, arrête de pêcher. Voilà, tu repêcheras plus tard. Oh, quoi? Non, 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 je veux pas un nouveau trait de caractère. Ça, c'est hors de question. Faut que je l'écrive dans les règles. C'est hors de question. On change pas de trait de caractère. Elle garde ses traits kleptomane, égocentrique et matérialiste. J'ai l'impression qu'elle refuse carrément de pêcher parce qu'elle aime pas ça. Mais pêche? Non. Mais elle voudra plus jamais pêcher? Parce qu'elle aime pas ça? Mais il va falloir que je change alors, parce que j'ai besoin que tu pêches en fait. Non, bon, écoutez, là elle est pas bien, il faut lui changer un peu les idées. Est-ce qu'on pourrait pas trouver quelqu'un avec qui discuter? Parce que là, au niveau du divertissement, mais ça va pas nous aider. Attendez, et si je clique directement sur divertissement, qu'est-ce qu'elle va faire? Ah, bah du téléphone. Ah, bah c'est vrai, je suis bête, j'aurais pu y penser de moi-même. Fais un peu de téléphone et une fois que ça ira mieux, tu repêcheras. Mais c'est pas possible de ne pas pêcher du tout, ok madame? On a besoin de cette baie de plantes vaches. Oh, mais regardez tout ce qu'elle a attrapé, c'est incroyable. Pièce de robot récupérée, on vend. Ça, c'est bon, ça. Oh, mais va-t'en, toi. Alors, la perche, on la vend. Attends, mais divertis-toi. Oh, purée, mais elle est fatiguée en même temps. Alors, attendez, je vais chercher le banc. Le banc, il est où? Il est là. Va faire un petit dodo, va faire une sieste, voilà. Oh là là, mais dépêche-toi par pitié. Elle a récolté la grenouille là-bas? Oui, c'est bon. Elle a récolté la grenouille. On va continuer à vendre pendant qu'elle se repose. Alors, ça, on le vend 24, c'est pas mal. Ça, c'est quoi? 25, ok. La carte au trésor, on a dit qu'on l'a gardée. Le poisson rouge, il coûte que 7 Team Flouzer. C'est ridicule. La mystérieuse capsule, je me demande si on l'ouvre ou si on la vend telle quelle. Parce que, bon, on peut y perdre au change. Je vais quand même essayer de l'ouvrir une fois. Ça, on le vend. Et les roches, on peut ou les extraire. Oh non! On peut ou les extraire ou les vendre telles quelles aussi. Je pense qu'on va essayer de les extraire. On peut extraire un fossile. Donc là, on est à 225 et 70. Mais j'ai bien fait, dis donc. Et ça, on le vend aussi. Ok, il manquera plus que ça. Elle va l'ouvrir une fois qu'elle aura fini sa sieste. Ok, et les grenouilles, on a aubergine à pois, feuilles et terre à pois. Oh, terre à pois, elle coûte 30. Oh, on va essayer de les faire se reproduire. On peut là ou on peut pas? Oui, on va faire avec celle-là. Oh non, on a une deuxième du coup. Oh non, comment je fais pour en vendre qu'une seule par contre? Je vais être obligée de vendre les deux du coup si ça me fait ça. Ah ouais, ça va vendre les deux. Bon, ben voilà, j'ai vendu mes deux grenouilles, je suis dégoûtée. Allez, repose-toi ma petite. Oh là là, mais ça va pas du tout. Je sais pas du tout comment je vais assumer là. C'est chaud, franchement, c'est chaud.
Alors, j'ai ouvert la capsule et c'est un gong qu'il y avait dedans. Ok, donc ça fera 25. On va la faire manger un petit bout. Oh, je sais, ma petite dame, oh, je suis désolée pour toi. Vas-y, place-le dans le monde. Et tu vas pouvoir manger. Tu vas manger un repas rapide. Mange un outpost de popcorn mix. Voilà, je ne sais pas ce que c'est, mais voilà. Ensuite, tu mettras dans l'inventaire. Et elle se sent un petit peu seule, donc elle aimerait bien parler à quelqu'un. Est-ce qu'il y a une âme charitable qui veut nous parler? Oui, voilà, regarde, il y a plein de monde ici. Tu vas pouvoir parler. Est-ce qu'on pourrait pas essayer de parler à un homme, tant qu'à faire, au moins il est dans nos connaissances? Toi, tu es quoi? Toi, tu es une dame, donc non. Il y a que des enfants par ici. Oh, attendez, attendez. Oh là 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 là. Bonjour monsieur, je vous ai vu. Oh, ceci m'est trop loin pour être appelé, mais viens donc lui parler. Ah, mais d'accord, je peux même pas venir lui parler. Bon, il faut changer notre fusil d'épaule, trouver une autre victime, si je puis dire. Alors, nous avons rencontré ce monsieur, on peut parler avec lui, hein, voilà, clairement. Comme ça, on peut même faire ça ou pas? Ah non, elle est trop tendue. J'allais dire, on peut jouer si on aurait fait un peu de divertissement en même temps. On peut évacuer le stress, ok, si tu veux, voilà. Voilà, il a l'air un peu en colère, ce monsieur, tu vas te calmer, ok? On peut discuter des centres d'intérêt. Essaye de pas nous détester, nous on veut juste parler avec toi. Déjà que tu es habillée d'une très drôle de façon et qu'on vient de te parler, ce serait la moindre des choses de ne pas être méchante, ok? Mais il fait que avoir des petits mois entre eux deux, pourquoi? Ah, mais c'est un ado! Moi je croyais que c'était un adulte. Oh non, il s'en va? Tu t'en vas, c'est ça? Mais non, on a besoin de divertissement en fait. Allez, elle mange une petite portion de ce qu'on a trouvé du coup là. Et il faut encore qu'elle se repose, ça va. Mais alors, pas du tout. Oh là là, je suis tellement désolée pour toi. Et il faut faire attention parce que j'ai que jusqu'à. Oh là là, oh là là. Ouais, bah réveille-toi, tant pis. Tu vas venir ici, tu vas chercher des grenouilles. J'allais dire jusqu'à 6h51. Pourquoi je peux pas chercher des grenouilles? Tout à l'heure, je pouvais. Là, je peux plus. Ça a bugué. C'est mon jeu. Ah voilà, cherche des grenouilles. Voilà, et ensuite il faut que tu pêches absolument. Il faut que tu trouves. Arrêtez de me faire changer de trait de caractère, c'est pas possible. Voilà, ma petite dame, on va changer vos j'aime et je n'aime pas. Et vous allez aimer la pêche, je vous le dis. Hein. Activité, c'est où la pêche? C'est où? Au secours? Je trouve pas la pêche. Voilà, non, tu aimeras la pêche. Voilà qui est fait, voilà. Au moins, c'est sûr, on n'en parle plus, ma petite. Hein. Allez, ma petite dame, tu pêches maintenant, tu n'as plus le choix. Je suis désolée de te faire ça, mais c'est pas ici qu'il faut pêcher en plus. Moi, je lui fais faire n'importe quoi. C'est là-haut, tout là-haut. Tu vas venir pêcher ici. Tu vas venir pêcher. Arrête ce que tu fais et viens pêcher ici. En plus de ça, t'as même pas attrapé de grenouille ici, donc c'est nul. Allez, oh, il nous reste pas beaucoup de temps. Arrête de pêcher, je t'en supplie, et dépêche-toi. Au niveau des besoins, c'est vraiment pas ouf, mais surtout l'hygiène. Oh, il va falloir acheter une douche et tout quand on rentre. Ah, c'est vrai, ça va être cool quand même d'équiper un peu la maison. Allez, dépêche-toi, dépêche-toi. Tu vas pas assez vite à mon goût, par contre. Bon là, c'est bientôt l'heure fatidique, de toute façon je vais la faire pêcher, peu importe ce qui se passe, peu importe c'est... Oh mais le divertissement il remonte du coup vu qu'elle aime. Oh, mais j'aurais dû faire oui dès le début en fait, mais je suis une nouille, voilà, je suis une nouille. Oh là là, non, les poissons sont trop malins, non, repêche, repêche. Nous voici de retour à la maison, je sais que tu es très fatiguée, tu as bien mérité d'aller dans ton petit lit, donc vas-y, je vais sortir de l'inventaire la petite boîte à nourriture que nous avons juste là, madame. Par contre, ce que j'avais pas pensé, c'est que j'ai pas prévu de petit espace où on va planter. Bon, ben, au pire, je vais raser cet endroit-là et on va planter à cet endroit-là. En attendant, ce que je vais pouvoir faire, c'est vendre le petit poisson qu'elle a pêché. C'est quoi? C'est un vairon. Ok, Sissimflouz, vas-y, pêche ça. Et la rose, on va la sortir et puis tu viendras la planter une fois que tu seras. Quoi? Tu veux venir ici? Non, en fait, non, c'est hors de question. Déjà, tu n'es pas notre ami. Tu nous as parlé très mal lorsque l'on t'a rencontré. Et en plus de ça, si on te fait rentrer chez nous, il va falloir te tuer. Exactement. Oui, voilà. Donc, non. Ça fait partie des règles. Oh, il y a plein de trucs qui ont pop. Après, on va pouvoir récolter plein de choses. Oui, les plantes et tout. Il va falloir que je fasse vraiment attention à ses compétences, par contre. Compétences, ça va aller. Oh non, oui. J'étais en train de stresser, mais ça va, c'est la pêche qui est au niveau 3, c'est autorisé. C'est le seul qui est autorisé. Et les autres, ça va, c'est que au début, donc on a le temps. Ah, ça y est, elle est au pipi. Je vais pouvoir modifier un petit peu le jardin et faire de la place pour planter. De toute façon, on va pas y avoir 1000 endroits où on va pouvoir faire ça. Donc, je vais juste jarter tout ça. J'espère que ça nous rapporte pas de l'argent, en fait, parce que. Oh, ça nous a rapporté de l'argent ou pas? Attendez. Attendez, attendez, attendez. Si je fais revenir en arrière, je vais tout remettre. Tac, c'est bon, il y a tout qui est remis. 548, non, c'est bon, ça nous a rien coûté. C'est que des trucs qui viennent avec le debug. Et ça par contre, ça vaut de l'argent. Donc je vais pas le vendre. On va le laisser sur le terrain. De toute façon, il y a assez de place pour l'instant, non, pour qu'elle plante un peu tout ce qu'il y a besoin. Je vais juste décaler un peu ça.
Voilà, et après on va mettre tout du long, normalement ça devrait le faire. Et si ça manque encore de place, ben, je sais pas comment je ferai, mais ça va, je vais pas planter non plus un stade de foot, quoi. Bon, elle veut pas continuer parce qu'elle est trop mal à l'aise, enfin elle veut pas arroser, mais planter ça va, j'ai l'impression qu'elle finit. Mais là elle est trop mal à l'aise parce qu'à la fin elle est fatiguée, elle a besoin d'hygiène. Oh là là, mais c'est un désastre. Elle est finie de planter, après tu vas pouvoir aller te coucher. Je vais aussi la faire manger et ben, on va pouvoir acheter une petite douche et... attendez, si j'ai 548 Simflouz, est-ce que je peux pas lui payer un meilleur lit? Parce que genre là, elle dort pas trop trop bien avec ce lit, on va dire que ça lui régénère pas forcément toute son énergie. Donc je vais voir ce que je peux lui prendre. En soi, elle a déjà un toilette et tout, donc il n'y a pas besoin de lumière pour l'instant non plus. De toute façon, ça va nous faire payer les factures, cette affaire. Donc le lit, je le vends. En plus, ça me fait 204 Simflouz. Ouais, c'est bon, on va pouvoir l'acheter un bon lit, là, non? Je sais pas combien ça coûte un lit en vrai. Alors, on était à 4 énergie et 3... oh, bah, ça va. En énergie, on était pas mal. Mais est-ce qu'on peut avoir un peu mieux? Non, on peut pas avoir mieux, en fait. Il était très bien, ce lit. Bon, attendez, je vais le garder. Je vais le garder, en fait. Je sais pas du tout où j'ai mal. On va juste lui prendre une petite douche. J'espère que c'est pas trop cher, la douche. On est quand même à 300 Simflouz. Bon, mais tant pis, il faut de toute façon parce qu'elle est très mal à l'aise. Donc, on va prendre la première. Celle qui vient avec à la fac. Ouais, c'est ça. Pourquoi ça rentre pas ici, madame? On va la mettre en plein milieu. On va la mettre ici. Voilà. Au moins, tu auras une petite douche et il te reste quelques petits Simflouz. De toute façon, on n'a pas besoin d'autre chose pour l'instant. On a de quoi manger, de quoi dormir, de quoi se laver. Peut-être que si je la fais se laver. Bon, il y a des chances qu'elle soit encore un peu mal à l'aise. Mais peut-être qu'elle pourra tout arroser avant d'aller se coucher. Je sais pas. Allez, viens ici, madame. Viens te raser. Non. Viens prendre une douche. Ça pourrait te faire du bien, je pense. Si ça lui enlève pas son mood, il faudra lui faire prendre une douche un peu spéciale, genre méditative ou quoi. Ouais, je pense que ça pourrait être bien. Peut-être tonifiante, voilà. Arrête la douche normale et prends une douche tonifiante, voilà. Comme ça, après, tu pourrais changer d'humeur, peut-être. J'ai pas l'impression que ça ait fait quoi que ce soit. Mais est-ce que tu peux quand même arroser ou pas? Non, elle peut pas. Et si tu manges, j'aimerais bien que tu arroses les plantes juste avant qu'on quitte l'épisode en fait. Mange un repas rapide, mange de la charcuterie. C'est bon la charcuterie. J'ai envie de manger de la charcuterie maintenant. Voilà. Oui, va manger. Je sais que t'as faim, mais je viens de t'ordonner de manger. C'est justement pour ça. J'aurais pu acheter une poubelle parce que ça va commencer à s'entasser les trucs sales sinon. Tant pis. Ah si, c'est bon, elle peut arroser. Yes, allez, elle finit son assiette de charcuterie, puis elle va pouvoir arroser. Ça, c'est cool. Une fois qu'elle aura arrosé, je vais tout remettre comme il faut, parce que là, c'est vraiment moche. À moins qu'on laisse comme ça, c'est son jardin. Après tout ça, elle a fait kiffer. Elle a planté comme ça, c'est parce qu'elle aime. Hein. Monte pas trop vite ton jardinage, attention. Hein. Oh là là, oh là là, mais ça va trop vite, par contre. Bon, mais une fois qu'on aura fait ça, on pourra plus récolter rien du tout en jardinage, j'ai l'impression, parce que sinon, on risque d'arriver au niveau 2, alors qu'on n'a pas la baie de plantes de vache. Eh bien, écoutez, j'allais l'envoyer dormir, mais elle s'est retrouvée la tête dans les plantes. Voilà, donc elle avait beaucoup trop sommeil. Je suis désolée, Avada. C'est pas une très très chouette journée pour toi, j'avoue, mais c'est comme ça. C'est le challenge, ok? Du coup, nous, on va se laisser là pour ce premier épisode. J'espère qu'il vous aura plu. Moi, j'ai vraiment adoré commencer ce petit challenge. J'espère que c'est votre cas aussi. En attendant, si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à me dire tout ça en commentaire, à me laisser un petit pouce bleu, à vous abonner, ça fera vraiment super plaisir. Et nous, on se retrouve bientôt pour de nouvelles vidéos. Et d'ici là, je vous fais plein de bisous.